C'était les représentations sur sentence d'un récidiviste en matière d'agression. Oui, donc il a été reconnu coupable d'attouchement et d'incitation à des contacts sexuels sur une jeune fillette âgée de moins de 10 ans. Les événements se sont déroulés là, à la fin des années 80. Yves Beaudoin, un homme de Val-des-Sources, pourrait passer les 4 prochaines années derrière les barreaux. C'est à tout le moins là, ce que réclame la Couronne dans son dossier. La poursuite, elle, demande une peine beaucoup plus clémente. On parle de 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité. Pourquoi? C'est que l'homme est atteint d'un cancer de stade 3 et qu'il doit subir des traitements hebdomadaires à l'hôpital, et lui imposer une peine d'incarcération serait, selon son avocate, carrément une peine de mort. La juge a décidé de prendre cette décision en délibéré. Entre-temps, Yves Beaudoin demeure libre en attendant la suite des procédures.